Punk is not dead. Et aujourd'hui, les ennemis de mes ennemis sont mes amis avec The Enemy. Ils sont anglais, ils ont la haine et en 2007, ils ont sorti Nous allons vivre et mourir dans ces villes. Punk is not dead. Aujourd'hui, ils reviennent et ils sont toujours pas contents. Il faut dire que leur deuxième album, Musique pour le peuple, n'a pas eu le succès escompté. Du bruit, rien que du bruit, qui annonce un troisième album plein de fureur. Punk is not dead. Donc, entre le côté, je suis anglais, je porte un kawaii moche comme Liam Gallagher et je fais le foufou comme un Foo Fighters, le punk is not dead. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Je peux répéter le point.